Aujourd'hui, j'ai essayé la journée d'intégration. Ce matin, c'était la rentrée, ma rentrée. Je me suis réveillée, j'ai mis 30 minutes à me préparer, 5 minutes à me décider, et 2 minutes pour me rendre compte que j'avais 5 minutes de retard. J'ai couru en me disant « ça passe ». J'ai vu le bus au loin et je me suis dit « ça passe ». Le bus est passé, moi j'ai marché. Je suis arrivée devant l'école. Une fille avec un panier en osier s'est jetée sur moi et m'a dit « Salut, moi c'est Agathe, assistante supérieure responsable du BDE. Et toi c'est comment ?» J'ai eu envie de lui dire « Salut, moi c'est Margot, assistante responsable supérieure de moi-même. » Mais je suis restée soft. « Salut, moi c'est Margot, ravie de te rencontrer. » « Ok, tu rejoins les autres pour la photo ?» J'ai rejoint les autres pour la photo. On nous a alignés. On nous a dit « Cheese !» J'ai fait mon plus beau sourire. Ma journée d'intégration venait de commencer. On nous a mis en binôme et on nous a envoyés dans la rue. Mon binôme, c'est Caro. Elle a l'air sympa et surtout dans la même situation que moi. On m'a donné 2 euros pour que j'y écrase un petit suisse sur le visage. Je me suis dit qu'on serait jamais amis. Elle a explosé de rire. Je me suis dit que peut-être si, en fait. On est allé en boîte. J'ai dû aller draguer le mec près du bar. J'étais trempée et recouverte de petits suisses. Mais j'avais confiance en mon charme légendaire. Ça l'a pas fait. J'ai été punie. J'ai dû boire. 1 verre, 2 verres, 3 verres. Caro m'a tenu les cheveux. Je me suis dit qu'on était devenus amis. On est rentrés à pied et elle m'a demandé « Je peux t'emprunter les toilettes ?» Mais j'ai compris. « Tu peux m'héberger, je suis épuisée. » Aujourd'hui, j'ai essayé la journée d'intégration. Et j'ai rencontré Caro.